Avec l'avènement des technologies numériques, plusieurs personnes ont accès à des moyens de prêt rapides et simplifiés à partir des applications qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Quel regard portent les Ivoiriens sur ces applications? Cette info leur a tendu son micro. J'ai une fois entendu parler de ça, j'ai également vu sur les réseaux sociaux des pages qui montraient des formalités à remplir pour avoir des prêts en ligne. Comme je suis quelqu'un qui est beaucoup sceptique, je ne me suis pas mis dans ce domaine. Il y a déjà entendu parler des prêts en ligne, tout ça. J'ai bien déjà entendu parler des applications de prêts en ligne, mais je n'ai jamais expérimenté personnellement. J'ai entendu déjà parler de ces gens de prêts, mais c'est sur les réseaux sociaux. Bon, moi personnellement, ça ne me tente pas d'aller prendre des prêts en ligne en fait. Bon, je n'ai jamais pris de prêt en ligne. Ah, pour ce que je sais, paraît-il que bon, il y a des applications qui sont sur le net avec lesquelles on peut prendre des prêts, un peu comme les réseaux mobiles. Voilà. Il y avait une application qu'on pouvait télécharger. À la suite de cette application, on pouvait emprunter des prêts et après les rembourser. Et il y a certains qui disaient comme ça que ces prêts-là, quand on ne les remboursait pas, automatiquement, ces agences-là envoyaient des messages aux contacts, aux différents numéros qui figuraient dans votre téléphone. Ces prêts en ligne, mon voisin de chambre même m'a dit que vraiment il y avait un tel truc, mais que c'était fiable. Ce sont des pratiques qui sont peut-être illégales. Illégal, puisque il y a des banques qui sont déjà là, ils ont des formalités, ils payent des impôts et d'autres personnes se permettent de se mettre en ligne pour donner, octroyer des prêts. Je crois que c'est un peu illégal au fait. Aujourd'hui, l'alphabétisation est montée à un degré où, toi tu ne connais pas l'éthique, je vais parler des médias, je vais parler de l'informatique. Quand tu ne connais pas les réseaux sociaux, quand tu ne connais pas ce système-là, d'internet, c'est que tu es illettré. Si on parle de prêt en ligne, c'est auprès de qui on emprunte. Voilà, il faut d'abord connaître ça, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire des prêts comme ça en ligne. Voilà, je pense que c'est non seulement il peut avoir un mauvais côté ou un bon côté. Si on veut lutter contre le taux de pauvreté, un truc de ce genre en Côte d'Ivoire, c'est pas ce genre de truc. Il faut créer certaines activités pour pouvoir permettre aux jeunes de travailler, voilà, pas par ces moyens-là. Voilà. Il serait mieux que si tu es affilié à une banque, tu partes prendre le crédit à ta banque. Voilà, que de se mettre dans des trucs de réseau qui sont nuls et non avenus. Parce que là, je ne sais même pas ce que ça devient. Voilà. Je préfère qu'on aille à une banque et on prend un prêt. Puis bon, selon la procédure, on suit et puis bon, on fait ce qu'il y a à faire, c'est tout. Il y a les réseaux mobiles qui le font, donc je ne trouve pas encore nécessaire d'aller chercher un prêt sur Internet, sur une application. En tout cas, si le besoin se fait sentir. Premièrement, je dirais que pour nous qui sommes là, comme les citoyens, pour ce genre d'être comme un point, c'est déjà bon. Mais est-ce que la société elle-même garantit c'est déjà ses arrières? Moi, je vais prendre le prêt. Voilà, je vais utiliser. Mais quelles sont les mesures vraiment drastiques que va prendre la société ou l'agence?